Ding dong! Salut, salut! C'est pourquoi? C'est les témoins de Jéhovah? Non, sérieux, tu me reconnais pas? Non. Vous savez, les nuages, ils se ressemblent tous, hein. Ah si, je sais! C'est pour la dératisation. Surprise! Oh purée Zeus! Je t'aurais jamais reconnu transformé comme ça! Tu me fais de ces frayeurs, toi. J'allais pas venir en scooter en gardant mon casque de moto, ça aurait rameuté tous les paparazzi. Tu leur fais tout le coup de la métamorphose à tes maîtresses. Embrasse-moi. Aïe! Aïe! Non, pas avec la foudre! Aïe! Zeus, ouvre cette porte! Je sais que tu es là! Zeus! Mais Tira! Je croyais qu'elle était en stage de plongée chez son frère. Cours, je te dis! Qu'est-ce que je fais, là? Tu vas lui dire quoi à ta femme? Bonjour ma chérie, tu n'es pas chez Poséidon? Il y avait des problèmes d'infiltration dans son palais, du coup on a annulé. Qu'est-ce que tu fais chez cette nymphe? Hein? Elle m'a demandé d'arroser ses plantes pendant qu'elle était en vacances. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Je crois qu'elle fait partie d'un collectif citoyen contre les violences animales et du coup elle héberge une vache pour rendre service. Non, mais tu es vraiment sûre que Zeus te trompe? J'ai pas de preuves, mais tout ce que je sais, c'est que ce salaud va finir par me faire crever de jalousie. Écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour lutter contre ce sentiment. Ça te bouffe. T'as essayé de voir un psy? Oedipe m'a donné une super adresse de thérapeute dans le Péloponnèse. Eh, dis donc, t'es au courant? Hera a encore massacré une nymphe parce qu'elle croyait qu'elle se tapait son mec. Quand t'es un chaud lapin comme Zeus, c'est pas malin d'avoir épousé une jalouse aussi maladive. En même temps, je la comprends. C'est la déesse la plus cocufiée de toute la mythologie gréco-latine. Oui, mais je veux dire, si t'es furieuse, tu peux faire un tweet, tu peux écrire un livre qui balance tout sur ton mari. T'es pas forcé d'exterminer systématiquement toutes tes rivales. C'est quoi encore ce truc? Grande médium de Delphes, professeur Fofana Cassandre, divination grecque, résultat garanti. Y a rien de plus con que ces publicités de marabout. Mais non, attends, regarde. Retour de l'être aimé, fidélité éternelle. Il vous suivra comme un chien derrière son maître. Mais franchement, ça se tente, non? Ah, salut Artemis, ça va? Salut. Oh, mais comme il est mignon celui-ci! Comment tu t'appelles, mon toutou? Il s'appelle Zeus. Oh, il est trop craquant! Bouzi, bouzi, bouzi! Il est chouchou, le chien-chien! C'est quoi comme race? C'est un bâtard. Bon, bah ça va, là. La métamorphose, ça suffit, non? Pas bouger. Chut, vilain, Zeus, vilain! T'as pas l'impression qu'ils deviennent de plus en plus gravos, les dieux de l'Olympe, ces temps-ci? Bon, alors, récapitulons. Vous avez eu 3 enfants avec Hera, 4 si on compte Héphaïstos. Celui-là, il me cause que des emmerdements. Avec Maya, vous avez eu Hermès. Ah mais il vaut pas mieux que son frère non plus, lui. Avec Dionée, vous avez fait les petites Amphitrite et Aphrodite. Ah, c'est joli, Aphrodite. C'est vous qui avez trouvé le prénom. Bah, qu'est-ce que ça peut vous faire? Avec Mnémosyne, vous avez eu... Oula, 9. C'est bien ça qui est écrit? Bah oui. 9 filles, donc, avec Mnémosyne. Eh ben... Dis donc, je me passe de vos commentaires, hein. Bon, poursuivons. A priori, vous êtes aussi le père de Perséphone avec Déméter. Avec Métis, vous avez eu Athéna. Avec Callisto, Pan. Avec Électre, 4 enfants d'Ardanos, Hémation, Yassion et Harmonie. Vous aimez bien les prénoms rares, quand même, non? C'est pas rare, c'est hellénistique. Bon, ensuite... Virginie? Oui, maître? Vous pouvez m'apporter le dossier rouge? Tout de suite. J'ai aussi ici la trace de Britomartis que vous avez eue avec Tithios. Oui, enfin là j'étais bourré alors. Argos et Pélagos avec Niobé. Virginie, ça vient ce dossier? Il y en a plein des dossiers rouges. Près de l'armoire du coin cuisine, sous le tupperware de Moussaka. Excusez-la, elle a fait un stage à Bruxelles, depuis elle comprend plus rien à la culture grecque. Ah, voilà. Nous avons aussi les enfants de Léda, soit Pollux et Hélène. Et alors, si j'ai bien compris, Castor et Clytemnestre étaient dans le même œuf. Mais c'est des demi-frères et sœurs, c'est ça? Non mais là, attendez, ça compte pas, j'étais métamorphosé en cygne. Mais vous savez, il y a une jurisprudence sur les métamorphoses depuis Ovide. Maintenant, toutes les naissances issues d'accouplements sous avatar sont reconnues par le tribunal des affaires familiales. Mais c'est n'importe quoi! Vous voulez dire que quand je me transforme en taureau blanc, ça compte aussi? Si vous faites allusion aux 3 enfants que vous avez eus avec Rop, oui, en effet. Et donc, quand vous êtes en cheval et que vous faites un enfant avec Dia, ou que Égine met au monde Éaque après vous avoir connu sous la forme d'un aigle, c'est un élément apporté au dossier. Ah là, on va loin, là! J'ai donc aussi Arcas que vous avez eu en vous transformant en Artemis, Zagré que vous avez eu avec Perséphone en vous transformant en serpent, Myrmidon engendré par Eurymeduse quand vous étiez une fourmi, Persée, née de Danaé après votre union sous la forme d'une pluie d'or. Bon, d'accord. Mais ça dit quoi, du coup? Écoutez, monsieur Zeus, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. On va mettre le paquet sur votre dossier. Mais malgré tout, je dois être honnête avec vous. Préparez-vous à payer une très grosse
pension alimentaire. Pénélope, comment ça va ma chérie? Oh, salut Zeus! Wow, sympa l'ambiance. Il y a de la nymphe ce soir. Tu connais Aphrodite. Salut Zeus. Oh, purée, t'es électrique. Tu veux pas laisser ta foudre dans la chambre avec les manteaux? Hein? C'est pas moi, c'est toi avec ton pull Angora. Salut Artemis, t'auras du feu? Merci. Oh, Zeus est venu finalement. Je croyais qu'il devait finir un truc urgent dans l'Olympe pour demain. Oui, enfin, c'est ce qu'il a raconté à sa femme. Hera est tellement jalouse, elle l'aurait jamais laissé sortir dans une soirée comme ça. C'est pas comme ton Ulysse. Même quand il est en séminaire de team building sur l'Odyssée, il te laisse organiser des fêtes dans le palais d'Ithaque au moins. Bah oui, j'allais pas non plus faire tapisserie. Qui elle déjà? Terpsichore. Bah, enfin, Hercule, c'est la muse de la danse. Oh ouais, purée, les muses, je les confonds toutes, franchement. Bon, alors, y'a quoi dans le buffet? Oh, encore des toasts de tarama? Si tu voulais du guacamole, t'avais qu'à t'installer dans la mythologie précolombienne, mec. Bon, bah, on trinque alors. Tchin tchin. Athéna, dans les yeux. Ah, oui. Dans les yeux. Chin. Dans les yeux. Oui, bon, ça va, on a compris. Je peux t'emprunter ton briquet? Non, mais l'amour, franchement, moi, j'y crois plus. Ouais, t'as raison. Moi, je préfère les plans entre potes. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, tu vois, je rentre le soir, j'ai pas trop envie de me remettre dans un truc qui me rappelle le boulot. Tu fais quoi, déjà, comme boulot? Regarde, il y a une embrouille dans l'entrée entre Zeus et Prométhée. Aïe! Mais arrête! Aïe! Ça me fait mal au foie! Aïe! Non mais, aïe! S'il te plaît! À moi, ça! Et celui-là? Arrête! Oh, le gros voleur! J'hallucine! Hé! Hey, il a aussi le mien! Ah, moi, je te dis, à chaque fois qu'il y a Prométhée dans une soirée, je fais hyper gaffe. C'est plus fort que lui. Ce mec ne peut pas s'empêcher de te piquer ton feu. Aïe! Non! Aïe! Donc les mecs, j'ai dit quoi tout à l'heure? Vigilance maximum! Je parle babylonien ou quoi? Non, mais on surveille, chef! Ouais, c'est ça. On est à Athènes, capitale de la plus grande civilisation méditerranéenne. Il y a des types qui sont en train d'inventer la démocratie et la métaphysique là-bas derrière. Alors si vous voulez bien, j'aimerais autant qu'on laisse pas n'importe quel peuple givré de l'Antiquité venir foutre le bordel ici. Oui, on va faire attention. On vous engageait comme sentinelle, pas comme emploi fictif. On est pas sablé sur Sparte. Bon, et toi? Ça fait longtemps que tu bosses à la surveillance d'Athènes? Ah bah non, c'est ma première semaine, là. À la base, je suis serveur dans une taverna sur le port de Mykonos, mais l'hiver, c'est calmos, hein. Tu m'étonnes. Enfin, t'es pas le seul, hein. Depuis l'adoption du plan Vigipirée, ils ont été obligés de recruter un peu partout dans les îles. Il paraît que le niveau de risque est hyper élevé en ce moment. Ah bah c'est clair, déjà, rien qu'avec les Perses, on est carrément dans une guerre de civilisation. Je sais pas si t'as déjà entendu un discours d'Artaxerces, mais les mecs, c'est des gros malades. Non, et puis il y a le problème de l'immigration spartiate. Ah ouais? Vous avez beaucoup de Spartiates par ici? Ah mais des tonnes! Il y a des classes de collège avec 80% de gamins d'origine Spartiate. Ils doivent être bons en sport. Bon, mais malgré tout, eux, on peut les gérer. Le plus flippant, c'est la menace Amazon. Cette tribu de femmes invincibles, entraînées au combat depuis la plus tendre enfance après l'élimination systématique de tous les enfants mâles. Hein? Mais c'est horrible! Et tu sais comment on les reconnaît? Elles ont qu'un seul sein. Elles se font couper l'autre parce que ça les empêche de bien tirer à l'arc. Oh la vache! D'ailleurs, ça veut dire ça, Amazon. Privatif A et Mazone sain, celles qui n'ont pas de sein. Ah, c'est pas cool. Ouais, elles ont bien fait fantasmer la Méditerranée. Tous les beaux gosses de l'Antiquité ont tenté leur chance avec elles. Achille, Hercule, Thésée et Alexandre. Et les dieux, genre Zeus et tout, ils passent son temps à draguer des mortels, ça a dû le chauffer aussi, non? Non, mais lui, il est plutôt dans le créneau nymphe de luxe ou vestale ukrainienne. Les militantes féministes, c'est pas son truc. En revanche, Héphaïstos, il est bien tordu. À mon avis, il cracherait pas sur un plan SM avec une guerrière handicapée. Eh, hey, mais attends, regarde! Tu vois pas une colonne de poussière là-bas? Hein? C'est quoi? Oula, c'est une troupe de femmes torse nues qui nous fonce dessus en hurlant! Alerte! Horreur! On est foutus! On va tous mourir! On va!
Attends, elles ont un sein ou deux seins? Je vois qu'un seul sein. C'est des Amazones! Fuyez! Fuyez tous! On va être massacrés! Ça va être un carnage! Fuyez! En fait non, je crois qu'elles ont deux seins. Hé, hey, en fait c'est bon, revenez! Vous pouvez revenir! C'est pas des Amazones!